Rééquilibrer la mondialisation, c'est aussi, bien sûr, tenter d'apporter une réponse au grand défi migratoire qui est devant nous et non pas derrière nous. Hier encore, sur un plateau de télévision avec lequel nous partagions un débat, hier encore, on nous faisait cette objection. Mais voyons, c'est terminé la crise migratoire, c'était en 2015, c'est fini. Eh bien non, nous le disons avec la plus grande clarté, la crise migratoire n'a pas encore commencé. Elle n'a pas encore commencé parce que le défi de la démographie en Afrique, ce défi est devant nous. Et oui, Laurent, tu nous l'as dit, ce défi, il faut le prendre à bras-le-corps. La première des générosités, c'est de maîtriser nos frontières pour pouvoir accueillir vraiment ceux qui ont besoin de notre solidarité. Mais pour pouvoir ouvrir la porte à celui qui a besoin de notre solidarité, encore faut-il avoir une porte à lui ouvrir. Encore faut-il avoir une demeure qui soit préservée. Encore faut-il avoir un foyer où accueillir. Oui, nous voulons bien accueillir ceux qui nous demandent d'entrer et qui ont légitimement besoin de notre aide. Mais nous ne voulons pas subir. Nous voulons bien ouvrir la porte, mais nous ne voulons pas voir notre porte enfoncée tous les jours. Et voilà le défi qui est devant nous. Nous croyons que notre souveraineté, que la maîtrise de notre politique migratoire, elle peut être appuyée par un vrai travail européen qu'il faut renforcer, par une vraie stratégie européenne qu'il faut développer, pour que plus jamais on ne puisse s'établir en Europe si on n'y a pas été légalement autorisé.